la semaine, c'est Nicolas Grand-Claude de la maison Grand-Claude à Chaumouset qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc Nicolas, tu es parti sur un amuse-bouche, donc voilà, qu'on va servir dans une feuille de brique. C'est ça. Et on aura à l'intérieur un espuma au minster. Voilà. C'est ça le principe. C'est ça. Bon. On commence par quoi ? Feuille de brique ? Voilà. Comme tu l'as sorti. Exactement. Donc feuille de brique, on va... Donc tu as fait fondre du beurre. Voilà, un petit beurre clarifié. Tu as enlevé le petit lait, ce qu'on appelle le petit lait. Hein, c'est ça. Et donc tu tapisses ta feuille de brique avec ce beurre. Donc recto verso, là avec une feuille de brique, tu vas faire combien de petits... 4 portions. D'accord. On va faire... Après on la coupe en 4 donc du coup. Oui. Hop. Donc on essaye de faire forcément que ce soit à peu près égal. Voilà. Et après, avec ces cônes, donc oui, pour leur donner la forme. Mm-hmm. Ouais, tu vas faire un petit cornet, en fait. C'est ça. Un petit cornet de glace. Tu veux que j'en fasse une ? Bah, avec plaisir. Allez, donc, tu vois, tu le décales un petit peu. Je... Là, tu montes un peu, comme ça, voilà. Ok, et je commence là ? Voilà. Et tu tournes. Ouais, il faut bien que ça passe en dessous. Voilà. C'est bien. Ah non, tu voulais que ça soit droit, moi, c'est pas du tout droit. Ouais, ah, non, mais il est pas mal, on dirait que c'est le tien, tu vois. Ça sera le mien, celui-là, on aura compris. Donc là, en plus, tu as décidé finalement de mettre l'espuma au minster. Mais ce qui est sympa avec ces petits contenants-là, c'est que bah, on peut mettre plein de choses, quoi. En fait, c'est un contenant qui est top parce que c'est esthétique. C'est pour ça. Servir tes petites choses, tes petites bouchées apéritives. Après, voilà, on fait à notre guise ce qu'on a dans notre frigo. Mm-hmm. Et... Donc là, c'est bon, on les enfourne pendant combien de temps ? À combien ? On va être à 180 degrés pendant 5 minutes. Oui, bah, l'idée, c'est que ça soit doré, quoi. C'est ça. Okay. Donc ça, on enfourne et pendant ce temps, on s'occupe de l'espuma au minster. Voilà, un minster fermier. Oui, que tu coupes. Grossièrement. Ouais. De toute façon, on va le faire fondre. Voilà, on va le faire fondre, le mixer et le mettre en siphon. Et ça sera servi chaud ou froid ? Froid. Oui, donc c'est vraiment comme une glace, quoi. Oui. Un petit cône et puis on va manger une glace au minster. C'est ça. Ah, ensuite, tu rajoutes. Alors après, pour faire l'espuma, donc on va mettre temps pour temps. Donc on part sur 50 centilitres de lait. D'accord. Et 50 centilitres de crème. Okay. Au niveau de l'assaisonnement, tu vas le faire quand ? On va le faire dans la casserole après. D'accord. On va rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Et en quantité de minster, t'as mis quoi ? Ça fait quoi ? 250 grammes D'accord. pour un litre, à peu près. Donc, crème et lait. Et ensuite, on va faire fondre ça et on va aller sur le chaud. Voilà. On va sur le chaud ? Oui. Vas-y. On laisse chauffer. On va assaisonner. Donc, sel, poivre. Voilà. Et après, l'idée, c'est de laisser fondre. Laisser fondre et laisser infuser. D'accord. Et mixer. Quand tu dis laisser infuser, c'est que ça, il y a un certain temps ou ouais, tu conseilles de le laisser infuser pendant combien de temps ? On va le laisser bouillir. Une fois que ça bout, on déplace notre casserole. On va laisser tempérer, je sais pas, une dizaine de minutes. Et après, on le mixe pour que ça prenne vraiment le goût du minster. D'accord. Quoi. Donc là, c'est bon. Voilà. Et là, donc tu réserves, en tout cas, tu mets sur le côté pour laisser infuser 10 minutes. Voilà. Et après, on n'aura plus qu'à mixer, c'est ça. À mettre dans le siphon, à le mettre au frais. Voilà. Et à dresser. Donc là, c'est bon. On va sortir du four. Voilà. Ah, super. Attention, c'est chaud. Ah, top. Donc, on va les laisser refroidir. Pour les démouler. Pour les démouler, tu en as préparé d'avance. Comme ça, on dresse tout de suite. Oui. Hein. Donc hop, on va dresser. Donc tu mets dans des petites verrines. Voilà, on va travailler avec des petites verrines. On va choisir les jolies cônes que tu plantes. Dedans. Voilà. Bah, tu sais quoi, je mets les petits cônes et puis comme ça, tu n'as plus qu'à mettre l'espuma. Et donc tu mets ton espuma au minster dans ton petit cône. Ah, super. Ah, c'est top. Là, tu es parti sur du minster, mais on aurait pu le faire avec un autre fromage. Oui, oui. Ouais, est-ce qu'on a... L'idée, c'était de rester dans un produit vosgien. Voilà, exactement, rester dans du local. Ouais. On va rajouter quelques graines de cumin. Mm-hmm. C'est vrai que minster cumin, ça fonctionne bien.
Et puis, en petite déco, mais qui apporte aussi son petit goût, c'est un chiso pourpre. Et ce chiso a le goût de cumin. Donc ouais, on rajoute vraiment, là, c'est trop beau. Super. Voilà. Ben, on va goûter. Bah oui. On y va. C'est top parce qu'en fait, effectivement, cumin mincère, ça marche bien. Ce qui est sympa, c'est que c'est une mise en bouche qui a beaucoup de goût, qui est assez fraîche, alors que bah, le mincère, en général, c'est pas le premier truc qui appelle à la fraîcheur quand il fait chaud. Donc, c'est parfait. Et ce qui est bon, c'est que c'est délicat, en fait. T'apportes au mincère un truc un peu délicat. Ouais, exactement. C'est très fin. Donc, non, c'est top. Je valide, chef. On fait quoi ensuite ? Alors ensuite, on va partir sur une entrée tout en fraîcheur aussi, à base de tourteaux, tomates, courgettes et basilic. Waouh ! Ça, à mon avis, ça va me plaire.